jamais été faite sur YouTube. Ouais. Une idée originale. Ouais. Une idée copyright Ohoni. Copyright Ohoni. Si vous refaites cette vidéo, créditez-moi dans les commentaires, dans la barre de description. Dites la vidéo est... Ce mec qui fait ses travaux, je le déteste du plus haut point de mon corps. Et de mon cœur, surtout de mon cœur. Bref, on va entendre des bruits de travaux de temps en temps. Je vais essayer de couper au montage le plus possible les bruits de travaux. Mais des fois, je vais parler, je pourrais pas couper. Je vais essayer de parler plus fort que lui. Hello everybody, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo originale. Ça va être une vidéo... ces objets de chez Action que j'utilise tout le temps. Je pourrais faire une partie 2, ces objets de chez Action que je n'utilise jamais. Parce qu'il y en a pas mal aussi, que quand j'ai fouillé, j'ai remarqué que je pouvais faire une partie 2. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur les objets que j'utilise tout le temps, qui me servent, qui sont utiles, que j'utilise vraiment. Presque quotidiennement, car il y en a que j'utilise tous les jours. Donc tous les objets Action que j'utilise tous les jours, on va voir cette vidéo là ensemble. Je sais que vous aimez bien quand je fais des hauls Action, alors là je me suis dit c'est une bonne idée de faire cette vidéo là. Je comprends pas pourquoi personne n'y a jamais pensé à cette vidéo là, c'est une idée. It's an idea. Ok. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, mes choupiers, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton pour vous abonner en dessous de la vidéo. Est-ce que vous l'entendez vraiment fort les travaux vous aussi? Moi je l'entends fort. Des fois on entend fort et à la caméra on n'entend pas fort. J'espère. Des fois c'est le contraire, ça rend fou. Bref, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas. You're welcome. Venez rejoignez la famille Ohoni, Ohoni family, Ohoni, Ohoni, Ohoni family. Tilili, 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 tilili. Donc j'ai coupé les choses en deux catégories. J'ai regroupé les objets en deux catégories. La catégorie j'utilise quotidiennement tout le temps, j'en ai besoin tous les jours. Et la catégorie j'utilise de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, mais que j'utilise quand même plusieurs fois par mois. On passe à la vidéo sportive, let's go. Alors on va commencer par les objets que j'utilise tout le temps. Premièrement mes écouteurs avec le micro. Les écouteurs qui ont un micro intégré pour faire de l'ASMR, depuis que je les ai achetés, je ne les lâche plus. Quand je pars dans la rue, s'il y a du vent, j'approche le micro de ma bouche. Plus de vent, il n'y a plus de bruit parasite. On entend bien ma voix, on m'entend bien parler, je peux faire de l'ASMR, je peux écouter ma musique, c'est trop bien. Après, elle est où la télécommande, elle est là-bas. Là, cette ampoule-là, elle vient de chez AliExpress, mais elle s'est cassée, elle ne marchait plus. Et donc j'en ai racheté une, la même, chez Action. Donc j'ai mis celle de chez AliExpress qui est cassée dedans dans le carton. Mais ça c'est le carton de chez Action. C'est une ampoule LED. C'est une ampoule qu'on met sur les lampes, normale, une ampoule à vis. Qui a une télécommande qui fait des couleurs. Donc voilà. Cette ampoule avec cette télécommande que j'ai achetée chez Action, je m'en sers tous les jours parce que c'est ma lumière. Et le soir je mets une petite lumière qui... Et en plus on a un mode, on appuie sur un bouton et ça s'éteint en 60 secondes. Vous appuyez sur le bouton, ça va clignoter. Et 60 secondes après ça s'éteint tout seul. Comme ça pour s'endormir c'est trop bien. Là le sang. Pourquoi je parle comme des jeunes comme ça? Mina, pourquoi je parle comme ça? Après, on a mes lumières avant tout qui vont sur mon miroir, sur mon vanity. J'en ai deux mais j'avais la flemme d'enlever le deuxième parce que c'est trop dur à enlever quand il y a la ventouse. Quand c'est bien collé, ça va plus décoller. Donc là il y en a un là et un là de chaque côté de mon miroir, de mon vanity. Et ça s'allume bien, ça fait beaucoup de lumière. Ça s'allume bien, hein. Franchement regardez. Et c'est pratique, moi il faut 4 piles dedans. Et les 4 piles, j'ai acheté des piles rechargeables, j'en ai acheté 8. Et je les recharge dans un rechargeur toutes les 2 semaines à peu près. Ces deux semaines à peu près je charge les piles et voilà. J'utilise beaucoup, j'utilise beaucoup ça, j'utilise énormément. Tous les matins, tous les soirs et des fois pendant la journée quand je me maquille, quand je fais des retouches ou des choses comme ça. J'utilise beaucoup, c'est pour me maquiller, pour me faire ma skincare, pour me démaquiller, pour me coiffer. Pour juste me poser devant ma coiffeuse. Pour tout, j'utilise ça. Après on a mon déodorant antitranspirant. Il n'y a pas de parfum dans celui-là. Il est trop bien. Il est trop bien, toute la journée tu mets un truc synthétique comme là. Tu
douche le matin, tu mets ça après, le lendemain matin tu sentiras toujours bon, mais il faut se redoucher parce que ce soir tu sentiras toujours bon, le matin tu sentiras toujours bon, mais si tu te redouches pas et que tu remets de l'odorant dans l'après-midi, tu commenceras à sentir un peu la transpiration. C'est naturel, hein, écoutez ce que je vous dis. Mais trop bien parce que ça dure 48 heures, l'efficacité 48 heures. Mais j'aime trop ce déodorant, je ne sais même pas bien montrer. C'est le Nivea. Nivea Pure and Sensitive. Après, on a ma boîte à bijoux que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le temps, il y a mes bijoux dedans. C'est ma boîte à bijoux, c'est le truc en verre avec les bordures dorées. Ce truc. Je l'ai acheté chez Action, ce plateau à bijoux. C'est un plateau ou une boîte, je sais pas trop parce qu'il n'y a pas de couvercle. Mais tant mieux qu'il n'y ait pas de couvercle, comme ça je peux la remplir. C'est ma boîte à bijoux. J'ai acheté chez Action et elle me sert vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous la montre sous tous les angles. Voilà. Après, on a cette jarre. C'est une jarre ou un bocal? C'est un bocal avec un couvercle, donc c'est une jarre. Je mets mes cotons dedans. Mes cotons-tiges et mes cotons-disques. Et mes disques de coton. J'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis toujours pas mis au disque de coton réutilisable, mais j'en ai un, mais j'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à m'y faire. Pas très bien, je sais, je suis désolée. Et enfin, un dernier truc dans cette catégorie-là, un dernier objet dans cette catégorie-là. C'est un pot de fleurs, c'est un vase, parce que tous les jours je le vois et jamais je m'en lasse. C'est des fausses fleurs. C'est des fausses fleurs comme ça. Et vous le mettez, je l'ai acheté le vase et les fleurs séparément. Et donc voilà, maintenant on va passer à la catégorie j'utilise plusieurs fois par mois. Premièrement, ma brume. Ma brume, je l'ai presque finie, regardez. Impossible à finir cette brume. Ça fait 3 ans que je l'ai. 2 ans et demi. Je vous jure, c'est un truc de fou, j'en ai 3 en tout. Elle, c'est l'une, je pense que c'est elle que j'utilise le plus. Je voulais pas sortir les 3. Pourtant, quand j'en mets comme ça. C'est une brume, c'est pas un parfum. Mais ça sent bon et ça tient bien pour une brume par rapport à un parfum. C'est vrai que ça sent moins fort qu'un parfum, mais ça sent quand même fort. Et ça tient bien pour une brume, je trouve. Vraiment, je trouve. Donc les brumes de chez Action foncées, elles sont trop bien. Elles sont mieux les brumes que les parfums de chez Action. Les brumes de chez Action, elles sont meilleures que les brumes et les parfums de chez Action. Après, on a mes gels hydroalcooliques. J'en ai plusieurs, je vous en ai sorti deux pour vous donner deux exemples. Il y a celui-là, le rose un peu, qui est un peu girly. Et celui-là avec un cactus un peu funky. Funky groovy tonight. Bon, ça craint. J'utilise ce lait corporel à la banane juste pour me mettre après la douche. Je mets sur mes genoux, sur mes jambes de la crème. Et ça sent la banane, ça sent trop bon. Ça sent la banane Tagada, ça sent chimique. Hein. Ça sent la banane Tagada, tout simplement. Ça sent pas la vraie banane, ça sent la banane Tagada. Et je l'utilise pas tous les jours. Mais je l'utilise bien 2 ou 3 fois par semaine. Par mois, pardon. 2 ou 3 fois par mois. Après, on a ce masque pour les yeux. Un jour, je voulais en faire une vidéo entière juste pour ce masque. Je me suis dit que c'était pas la peine. Je l'ai jamais faite. J'aurais dû la faire. Parce que ce truc c'est incroyable, je n'ai jamais mis mon frigo et tout, au congélateur et tout. Mais quand tu le mets 20 secondes au micro-ondes, faut le mettre 20 secondes au micro-ondes en 2 fois. Une fois 10 secondes, une fois 10 secondes. Après tu le mets sur tes yeux comme ça, et tu restes comme ça relaxé. Ça te fait des belles, un beau contour de l'œil lisse, éclairé, lumineux. Ça t'enlève tes cernes, c'est un anti-cerne super puissant. C'est un puissant anti-cerne naturel. En fait, il y a des petites billes dedans, de gel, je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi comme gel, c'est trop bizarre. Et à l'intérieur, c'est du tissu tout doux. Tout doux. Et là, il y a l'élastique, donc vous mettez comme ça, comme je vous ai expliqué. Et ça enlève les cernes, et j'aime trop. Une fois, j'avais fait une allergie à un produit anti-cernes. C'était gonflé, dès que je le mettais, je le laissais diminuer sur mes yeux bien, bien chaud. Ça dégonflait, je voyais. Après, ça regonflait hein, une heure après, mais ça dégonflait pendant une heure. Après, bien sûr, on a mon trépied à téléphone. Parce que là, j'utilise le trépied à caméra parce que j'utilise la caméra. Mais pour mes TikTok, j'utilise mon téléphone. Pour mes reels, pour mes shorts. Donc, on a ce trépied comme ça. Là, vous tirez, ça s'allonge. Normalement, vous le coincez comme ça, là, entre ces deux trucs. Je sais pas
si vous voyez là, en horizontal. Mais moi j'aime bien le mettre en vertical, donc juste je le pose comme ça et je laisse en vertical poser. C'est pas très safe, il peut tomber. Des fois il tombe, hein, mais on se casse pas. C'est pas si fragile un téléphone de nos jours. C'est costaud. Après le Tattoo Brow. Le Tattoo Brow de chez Action. J'utilise comme lip liner, je l'utilise au moins une fois par semaine. Genre, je suis une malade. Mais des fois j'ai pas le temps, je peux pas attendre 20 minutes. Des fois je peux même pas attendre un quart d'heure. Des fois je le mets, je l'enlève au bout de 5 minutes parce que j'ai pas le temps. J'avais mal calculé mon temps. Mais quand j'ai le temps, j'utilise un lip liner, je le mets et toute la journée il tient. Il tient une demi-journée. Avant la fin de la journée, il sera estompé. Mais eux ils disent oui, ça tient une semaine. Peut-être sur les sourcils, ça tient une semaine. En fait, cet objet, c'est du maquillage. C'est un truc, c'est un gel coloré, brun. Tu mets sur tes sourcils et tu as séché. Au bout de 20 minutes, tu enlèves la pellicule qu'il y aura eu sur tes sourcils et ça te fera tes sourcils dessinés comme un tatouage. Et moi, je le fais pour mon contour des lèvres parce que mes sourcils, je les touche pas. Je les dépile pas, je touche pas mes sourcils. Je crayonne pas non plus, je remplis pas, rien. Et je le fais sur mon contour des lèvres et j'aime trop le résultat. Ça fait un beau contour des lèvres. Comme si j'avais mis du crayon à lèvres de la couleur que j'aime. Parfait pour moi. J'aime trop. Je sais que vous en avez marre des fois sur Instagram, je vous dis est-ce que j'abuse avec le Tattoo Brow, vous me dites oui, oui. Mais j'aime bien que ce que vous dites. Après on a ce baume à lèvres vaseline rose que j'aime trop, 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 trop bon. Et je l'ai pas tellement vidé que ça, hein. Il est encore bien rempli, mais il y en a beaucoup dedans. Ça se vide pas facilement ce genre de choses. Moi bon, j'ai du rouge à lèvres sur ma bouche, mais je rajoute par-dessus. J'aime trop ce baume à lèvres. C'est mon baume à lèvres préféré. Trop, 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 trop bien. Il hydrate trop bien les lèvres, il est doux, il est glisse sur vos lèvres, il a une belle texture. J'aime trop la texture, l'expérience sensorielle quand je touche et que je le mets sur mes lèvres. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Je sais pas, demandez-moi pas pourquoi, mais j'aime trop. Après ça, celui-là, c'est un paquet que j'ai pas ouvert encore. C'est le seul paquet que j'ai pas ouvert. En fait, j'avais acheté deux paquets. Il y a un paquet que j'ai ouvert que j'utilise. Celui-là je le garde au cas où je les perds ou je les déchire ou tout parce que c'est super fragile. J'aime trop en rajouter sur mon foulard comme ça, sur les côtés. Sur les côtés de mon foulard, c'est des pinces. C'est des pinces papillons. Ils sont trop mignons et je les utilise souvent, au moins une fois par mois j'utilise. Et enfin, les masques pour les lèvres de chez Action. J'utilise beaucoup, 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 mais des fois j'ai la flemme le soir, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller dormir. Mais quand j'ai le temps et quand j'ai pas envie de boire un truc et de manger un truc en même temps, quand je suis rassasiée surtout. C'est pour ça des fois j'ai pas envie, des fois j'ai pas la force, des fois j'ai envie de manger, de boire. Des fois je suis fatiguée, des fois j'ai fait mon crayon, mon Tattoo Brow autour de mes lèvres, Des fois quoi d'autre, il y a des raisons, des fois j'arrive pas à le faire. Mais si je pouvais, je le ferais tous les 3 jours. Je pense que je le fais une fois toutes les 2 semaines, ce masque pour les lèvres. Ça m'adoucit vraiment les lèvres, ça repulpe les lèvres, ça me déradoucit. Ça enlève toutes les ridules qu'il y a sur les lèvres, ça les rend lisses et pulpeuses. Ça rend pas plus de volume, ça donne pas plus de volume. Mais ça les rend plus belles, plus jolies, plus remplies. Je sais pas comment vous expliquer parce que ça donne pas de volume, mais on dirait que ça repulpe. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait des belles lèvres lisses. Donc ça fait plus pulpeux parce que c'est lisse. Voilà quoi. Mes choupi, on a fini la vidéo. Vous savez que ça sent grave fort la brume. Ma brume, elle sent grave fort. On dirait un parfum cette brume. Si vous tombez dessus, achetez-la parce qu'elle était pas chère et c'est vraiment un parfum. Et il y en a beaucoup dedans. Je crois qu'il y a 200 ml. 235 ml. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Brume parfumée. Body mist. Elle s'appelle Angel in Disguise. Si vous la trouvez, achetez-la parce que c'est un parfum. Elle sent fort, elle tient longtemps. Et elle est trop bien, je l'aime trop, j'en ai mis beaucoup aussi. En tout cas voilà, je vous ai montré tous les objets, c'est tous les objets Action. Tous les objets Action que j'utilise vraiment, je vous ai montré dans cette vidéo. C'est des années d'achat Action. Et si vous voulez, dites-moi si vous voulez la partie 2, des achats Action que j'utilise jamais, qui me servent jamais, qui servent à rien. Parce qu'il y en a plein, je peux vous en d'autres montrer plein. Je pourrais faire une vidéo entière avec ça, donc je pense que je vais la faire, mais dites-moi si vous la voulez dans les commentaires. Donc voilà, je fais plein de bisous. Mouah. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bye bye. Tchuss, à la prochaine vidéo. Bisous, je vous aime.